Ce matin, voir mon frère ce matin, je confesse que tu es fidèle. Voir mon frère marcher, voir ma soeur marcher, venir jusqu'ici en ces lieux où tu nous as convoqués, Seigneur, je proclame que tu es fidèle. Quand je regarde ma santé, je regarde la santé de mon frère, de ma sœur. Je déclare et je proclame que tu es fidèle. C'est retrouver, Seigneur, parmi le saint, chanter tes louanges. Je proclame que tu es fidèle. Je proclame que tu es fidèle. C'est pourquoi ce matin, Père, nous venons devant ton trône, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon pour nos fautes, nos péchés, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et nous ne voulons pas, Seigneur, monter dans ce train étant sale. Nous venons devant toi reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous venons, Seigneur, tel que nous sommes, lave-nous par le sang de Jésus. Rends-nous purs, Seigneur. C'est ton sang qui nous purifie.
Rends-nous purs, Seigneur, car nous voulons monter dans ce train avec toi. Nous voulons, Seigneur, aller, Seigneur, aller là où tu veux nous amener, dans le lieu très saint. Mais nous voulons, Seigneur, nous débarrasser d'abord, Seigneur, de cette saleté. Pardon, Seigneur, pardon. Frère, ma sœur, demande pardon, demande le sang de Christ. Reconnais que tu es pécheur. Et demande que le Seigneur te lave, que te purifie par le sang que Jésus a versé à la croix. Seigneur, me voici devant ta face, tel que je suis. Pardon n'allait pas exister, Seigneur. Nous étions déjà perdus, ton fils. Mais tu es venu et tu as accepté la croix. Merci pour ton pardon. Maintenant que nous sommes lavés par ton sang, voulons maintenant, Seigneur, que tu nous visites. Que ces lieux soient remplis de ton esprit. Que ces lieux soient saturés de ta présence. Saint-Esprit, viens, remplis ces lieux. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux, remplis ces lieux, remplis ces lieux, oui, remplis-le, remplis ces lieux. Nous voulons être visités par ton esprit. Visite-nous. Alléluia. Par le vent de ton esprit, lève-toi de tout ce lieu. Alléluia. Et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu.
Alléluia, alléluia, gloire à toi éternel notre Dieu, toi qui règne à jamais, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la gloire, la louange, la sagesse, la force, au siècle des siècles. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles, psaume 100, nous connaissons bien ces psaumes, nous allons lire ensemble. Les psaumes 100, nous allons lire tous les versets. Vous y êtes, les psaumes 100. Vous pouvez projeter. Alléluia. Lisons ensemble le psaume 100. Poussons vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son saint nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours,
et sa fidélité de génération en génération. Alors nous allons chanter, nous allons danser. S'il faut sauter, tu sautes. S'il faut se déplacer, tu peux te... S'il faut entrer même en dessous de siège, tu peux le faire. On te donne le droit de le faire. Alléluia. Alléluia. Oh, tout mon cœur est dans la joie. Alléluia. Yes. Oh, yeah. Car tout mon cœur. Tout mon cœur est dans la joie quand je vote son nom. Je me sens encore plus fort quand je vote.
Alléluia. Tu es Dieu de gloire.
t'adorer, Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau de Dieu, soit la sagesse, l'honneur, la puissance, au siècle de siècles. Toi, notre Créateur, le Dieu de l'univers, plus grand que tout ce qui s'énorme grand sur la terre, c'est toi, notre Dieu. Nous te célébrons, nous te célébrons, et nous te couronnons roi. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Notre Sauveur. Tu aurais pu nous laisser, Seigneur. Mais tu es venu parmi nous. Tu as porté nos fardeaux. A aimé le premier. Quel amour, Seigneur, perdu au fond de nos misères, mais tu es venu vers nous. Quelle grâce, qu'avons-nous mérité, Seigneur? Quelle grâce. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu t'aimes.
sur cette terre, tu me feras compter parmi les vivants. Je t'adorerai, Seigneur. Tant qu'il y aura la vie, Seigneur, dans ce corps mortel, je ne cesserai d'être Adonai, 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 Adonai. Je ne cesserai pas. Qui pourra m'arrêter, Seigneur? Si on tue les corps, mon âme, Seigneur, continuera à t'adorer. Qui pourra me séparer de toi? Oh, Adonai. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que nous pouvons juste contempler sa présence dans le silence, s'il vous plaît? Sa présence. Papa, tu es
remplis ces lieux. Alors, levons nos mains. Oh, nos mains levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Te célébrer, Adonai. Nos mains levées. Nos mains sont levées. Nous voulons. Abba, Papa, nous t'aimons. Abba, Papa, nous t'aimons. Tu nous fais du bien. Abba, Papa, merveilleux, Papa. Merveilleux, Papa. Quand tu es là, Seigneur, Abba, Papa, dans cette atmosphère, nous voulons écouter le messager. Alléluia. Abba, Père.
Dieu nous a fait du bien. Toutes ces fois où on a crié à lui, toutes ces fois où on lui a demandé son secours et il nous a secouru. Toutes ces fois où on lui a demandé, Seigneur, tends-moi ta main, et il nous a tendu une main. Toutes ces fois où on s'est trouvé au bord du gouffre et Dieu est venu et s'est manifesté à nous. Toutes ces fois où on lui a demandé, Seigneur, viens et guéris-moi, et il nous a guéris. Viens, pardonne-moi, et il nous a pardonné. Tu vas penser à toutes ces choses et tu vas dire, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel pour mon diplôme, bénis l'Éternel pour mon travail, bénis l'Éternel pour ma famille, bénis l'Éternel pour mon permis de séjour, bénis l'Éternel pour ma maison, bénis l'Éternel pour mes enfants. Chante, oh mon âme, bénis l'Éternel. Déverse sur elle
grâce, une grâce, une grâce exceptionnelle. Saisis-toi de son intérieur et de tout son corps au nom de Jésus. J'ai banni de ces lieux toute distraction, tout ce qui est contraire à ta volonté, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, maintenant je vais écouter, ne me dérange pas. Dis à ton voisin, maintenant je vais manger, ne me dérange pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous recevons la parole par les acclamations. Alléluia. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je ne suis pas la servante comme vous l'avez constaté. Voilà. Mais c'est bien la servante de Dieu qui va apporter la parole et nous allons tenir debout pour lire les textes de ce jour. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, nous lisons de 1 à 5. Matthieu 27, 1 à 5, ensuite nous lirons Luc chapitre 22, 54 à 62. Voilà, pour ceux qui notent, donc je répète, les textes seront projetés de toute façon. Matthieu chapitre 27, versets 1 à 5, nous lisons au nom du Seigneur. Nous y sommes ? Un petit amen suffira, nous y sommes ? Ok, voilà, 27, 1 à 5. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Nous lisons le deuxième texte dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 22, nous lisons les versets 54 à 62. Luc 22, 54 à 62. Nous y sommes ? Voilà, ok, merci. 22, 54 à 62, nous lisons. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu. Au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Merci. Nous étions entraînés
entraîné dans la présence de Dieu par son serviteur. Mais je trouve que les instrumentistes ont quitté le poste. S'il revenait, ça serait bien. Celui qui joue au synthé, à la guitare, à la batterie. Alors, avant que je ne commence, nous allons une fois de plus élever les noms de Dieu. Je n'ai pas de chanson, mais la chanson qui viendra, c'est celle qu'on va chanter. Je n'ai pas de chanson, mais je voudrais que les instruments honorent notre Seigneur. Puisque souvent, nous avons l'habitude de nous réserver. Mais quand je suis certain culte, comment Dieu est élevé par les instrumentistes, je me dis, waouh, mais pourquoi nous nous réservons, nous? Pourquoi? Puisque c'est pour célébrer l'Éternel. La guitare est là pour célébrer l'Éternel. Le synthé est là pour célébrer l'Éternel. La batterie est là pour louer Dieu. Alors, nous allons louer Dieu avec ces instruments. Si des membres du groupe de louanges peuvent reprendre encore place, vous allez chanter avec moi que le faible dise « Je suis fort ». Alors, je voudrais que la musique soit un peu plus haute que la chanson, puisque je veux que le Seigneur soit célébré ainsi. Que le faible dise « Je suis fort ». Merci beaucoup. Merci de prendre place, groupe de louanges. Même si vous êtes à quatre, je sais que Dieu va vous multiplier. Que le fait.
Avoir honte de mon passé. Nous gardons ces grands thèmes, mais une deuxième partie va arriver. Pourquoi? Mais puisque nous étions interpellés à la sortie, à la maison, l'Esprit a parlé que nous devions continuer ces sujets, un sujet très épineux, mais très enrichissant, car le Seigneur veut libérer les vies. Nous ne voulons pas rester dans l'esclavage. Et le temps est arrivé pour que chacun se sente libre, pour que nous puissions sortir de nos tombeaux. Le temps est arrivé. Alors je parlais avec les pères. Je lui ai demandé, comment ferais-je? J'ai déjà parlé la semaine passée. Que dois-je dire encore? Ils ont entendu ce qu'il t'a dit. Il a envoyé des messagers. Il y avait des anges qui m'ont parlé. J'étais épatée. C'est comme si chacun m'orientait. Eh bien, tu vas faire ça. Eh bien, tu vas dire ça. Eh bien, tu prendras telle direction. Alors, le Seigneur m'a conduit dans ces deux textes. Voilà, comme on a déjà affiché ça, les deux textes que nous avons lus dans Matthieu et dans Luc. Alors, la deuxième partie, nous allons parler de la culpabilité. Le poids de la culpabilité. Loin de moi vraiment de vous parler de la passion de Christ. Même si vous avez entendu que nous avons lu l'histoire de Judas et l'histoire de Pierre. Loin de moi de vous parler de la passion. Mais nous allons essayer de décortiquer pour retrouver ce thème, la culpabilité dans ces deux textes. Mais je voudrais tout d'abord que vous compreniez. Je ne voudrais pas que vous soyez crispés sur votre chaise comme la fois passée. Je ne veux pas que vous soyez crispés. C'est un thème très compliqué, le passé. Mais nous devons sortir de là. Mais retenons tout d'abord une chose. La culpabilité n'est rien d'autre que le regard
le regard en arrière. Vers un passé souvent déformé par des regrets. La culpabilité, c'est les remords. C'est les jugements sur l'expérience passée. Donc, quand je vais parler, retenez bien cela. Culpabilité, regard en arrière vers un passé qui est souvent déformé par les regrets. La culpabilité, c'est le remords. C'est les jugements sur l'expérience passée. On juge. Comment je me suis conduite? Comment j'ai vécu ma vie? En tout cas, ce n'était pas ça. Il ne fallait pas que je vive ainsi. Et la culpabilité s'installe. Les textes que nous avons lus, les deux textes que nous avons lus, sont les textes les plus connus, même, je dirais, des chrétiens. Puisque vous parlez souvent de Judas. Dites que vous avez donné à votre enfant les noms de Judas pour que vous ignoriez qui est Judas. Sinon, tous les chrétiens savent. C'est qui Judas? Judas, on peut l'appeler. Et c'est qui alors Pierre? J'ai essayé de regarder au plus profond. J'ai trouvé des similitudes. Alors, Judas comme Pierre, ils étaient deux disciples de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. Amen, hein? Amen. Faut pas rester comme ça, vous me faites peur. Oh! Ce sont des disciples de Christ. Pendant plusieurs années, ils étaient abreuvés par les paroles de Christ. Ils étaient nourris par les paroles de Christ. Ils marchaient avec Christ. Ils mangeaient avec lui pendant plusieurs années. Mais, à un moment donné de leur marche, l'un comme l'autre va faillir. L'un comme l'autre va faillir. Pourtant, ils étaient avec le maître. Qu'est-ce qui est arrivé alors? Judas, lui, comme vous le connaissez, ha! Il va trahir le maître. Et il a livré aux mains des grands prêtres. Quant à Pierre, lui, je ferai vite. Je ne peux pas tout décrire puisque vous connaissez. À trois reprises, comme nous l'a dit les textes, à trois reprises, il nia le maître. Dans la cour, il n'y a. J'irai même ne pas le connaître. Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Catastrophe. L'un va le vendre, l'autre va le nier. Ils abandonnent. Ils abandonnent le maître. Ils abandonnent celui qu'ils ont aimé. Ils vont les laisser mourir seuls. Il abandonne. Mais, quelques temps après, ils prirent conscience de leur trahison. Ils prirent conscience. Waouh! Judas s'élève et dit, mon Dieu, qu'ai-je fait? C'est alors quand ils prirent conscience que leur histoire va prendre une autre tournure. Ceux qui étaient ensemble, qui marchaient avec les seigneurs, qui mangeaient avec les seigneurs, qui étaient abreuvés par ces paroles, nourris jour après jour, maintenant l'histoire va prendre une autre tournure. Chacun va prendre son chemin à cause de la culpabilité. À cause de la culpabilité, Judas, lui, s'est dit, waouh! Qu'ai-je fait moi? Qu'ai-je fait? Il se souvient qu'il était dans les coulisses des traîtres. Les coulisses des traîtres. Les coulisses des calomniateurs. Il était dans les coulisses. Il se souvient que le Seigneur avait dit, l'un de vous va me trahir. Mais lui, il est parti dans les coulisses des traîtres. Ah là là! J'ai vendu un sang innocent
Que dois-je faire maintenant? La culpabilité. Il se souvient. Les remords remplissent son cœur. Évitez les coulisses des traîtres. Évitez les coulisses des traîtres où il y a l'obscurité, où les choses viennent, je dirais même en nuit, puisqu'on dit Judas a terminé la nuit. N'allez pas dans des choses obscures. Vous allez culpabiliser. Il ne fallait pas que j'aille. Alors, il regrette, il regrette. Mais quant à Pierre, lui, oh, lui aussi a pris conscience. Il se souvient aussi du coq. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. Et il a entendu le coq chanter. Oh là là, j'ai trahi le Seigneur. La trahison chez Judas, la trahison chez Pierre. J'ai trahi, mais il prend conscience de cela. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Faut-il se repentir ou mettre fin à la vie? Faut-il se repentir? Alors il fallait vraiment faire un choix judicieux. La culpabilité rongeait les deux cœurs. Mais monsieur Judas, ce qu'il a préféré faire, c'est de se précipiter et de retourner vers les grands prêtres. Voilà votre argent. Prenez votre argent, j'ai livré un sang innocent. On nous dit même, la Bible dit qu'il a jeté. Et il est parti. La solution, c'est laquelle? Quand la culpabilité frappe à la porte, sans Christ, voilà la conséquence. La Bible dit, Judas est parti se pendre. Mais il y a d'autres versions qui disent, dans Actes, on dit que Judas est parti, et il est mort. Il est mort comment? Peut-être, il y a de ceux-là qui disent, peut-être que quand il voulait se pendre, il a trébuché et il est tombé sur quelque chose. Alors il s'est blessé à mort. Mais ce qui est vrai, Judas est mort à cause des remords. Judas est mort à cause des remords. Voilà la fin. La fin de quand on se sent coupable, quand on culpabilise, il y a la mort qui nous attend. La mort. Mais quant à M. Pierre, lui, il est terrible. Il a pris aussi conscience. Il s'est dit, waouh, j'ai trahi le maître. Il a entendu le coq chanter, il se souvient. Qu'est-ce qu'il s'est dit, lui? Il a dit, maintenant, je dois prendre une décision. Ici, c'est la vie ou la mort. On nous dit que Pierre, lui, il pleura amèrement. Donc, il s'est repenti. Il a choisi la voie de la repentance. Seigneur, pardonne. Je comprends que tu es le Christ. J'étais vraiment nié. Pardonne ma chair qui a précédé. L'esprit peut-être s'est tu. La chair a parlé pour que je puisse te nier. Pardonne-moi, Seigneur. Il pleura amèrement et il s'en alla. Puisqu'il devait sortir de la cour. Et alors, mes chers frères et sœurs, oh, quand j'ai pensé à Judas, quel gâchis! Quel gâchis, elle dit, c'est lui qui a marché avec le Seigneur. Mais ça, c'est une fin vraiment terrible. C'est un échec dans la marche avec Christ. C'est un échec. Il ne saura rien, ni de la mort du Christ, qui est venu pour sauver les coupables, ni de sa résurrection. Puisque lui, il donne la vie à ceux qui sont morts. Vous pouvez ajouter. Ah. Ils sont morts des remords.
Judas n'a rien vu, ni de la mort de Christ, ni de sa résurrection qui donne la vie à ceux qui sont morts des remords. Christ est venu pour ça. Il est venu nous libérer de ces remords. Il est venu nous sauver de ces remords. Et Judas a choisi cette vie. Et c'était la fin. Mais bien aimé, quand nous nous souvenons d'avoir mal marché dans le passé, ne portons pas cette culpabilité en nous. Ça va nous entraîner sur la voie de Judas. Optons pour la voie de Pierre. Puisque la parole est annoncée. La parole est annoncée pour que nous sortions de la culpabilité. Reconnaître que nous avons péché. Reconnaître l'origine de votre culpabilité. Pourquoi êtes-vous coupable? Qui est-ce qui a causé cette culpabilité? Alors, allez là-bas. Retournez vers le Seigneur. Demandez pardon comme Pierre. Sinon, la solution de Judas nous attend. Au lieu de culpabiliser, ce qu'il faudrait faire, que votre coq chante. Que votre coq chante. Vous savez quand le coq chante au village pour réveiller les gens? Cacarico, cacarico, vous regardez, c'est une heure. Oh, je vais dormir un peu. Cocorico, cocorico, c'est 3 heures. Et après tout, cocorico, 5 heures, on doit prendre les machettes, les CC en forêt. C'est pour réveiller. Alors, que votre coq chante pour vous réveiller. Que votre coq chante pour que vous vous rendiez compte du mal que vous avez commis en Christ. Amen. Hein? Que votre coq chante. Réveille-toi. Vraiment, je vous assure, j'ai beaucoup pleuré pour préparer ces messages. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les gens doivent entendre ta parole et demeurer dans la culpabilité? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je ne suis pas capable de libérer quelqu'un? Je n'ai pas le pouvoir de libérer la vie de quelqu'un. Je n'en ai pas. Seul Dieu a le pouvoir de vous libérer si vous le voulez, comme Pierre. Je n'ai pas le pouvoir. Mais est-il que la parole est annoncée? La parole est annoncée pour que vous puissiez vous réveiller. Sortez de votre culpabilité, de votre passé, des dérèglements. Dites au Seigneur, oh Seigneur, j'en ai fini avec ce passé qui me tente. J'en ai fini avec cette culpabilité. Chaque jour, je dois culpabiliser. Dois-je servir? Non. Quand je regarde comment j'étais il y a quelques années, je ne sais pas prendre de décision. Dans l'église, on veut bien, même on voudrait se taire pour qu'on ne vous voit pas à cause de la culpabilité. Je ne peux pas élever ma voix puisque je pense que j'ai péché plus que les autres. Est-ce que tu connais la vie des autres? Tu connais la vie des autres? Je ne peux pas chanter puisque je pense que les chants pour le Seigneur, c'est pour les élus. C'est qui l'élu de Dieu? C'est celui-là qui vient au pied du Christ pour demander pardon. Pourquoi dois-tu te positionner toujours derrière? Derrière, je ne mérite pas, derrière. Et la parole est prêchée. Que ton coq chante aujourd'hui. Que ton coq chante. Sois libéré au nom de Jésus. Je vais à l'église où les gens sont libres. Libres d'adorer. Libres de servir le Seigneur. Libres d'exalter Dieu. Libres de proclamer les oracles. Puisque le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Nous voulons pas. Je ne veux pas vraiment l'église où les gens sont toujours là. Moi, ma vie. Moi, ma vie. Moi, ma. Mais paraît-il que tu es dans le Seigneur? Ce n'est pas ta vie. C'est Christ qui vit en toi. Christ vit en toi. Ce n'est pas ta vie. Et si nous avons compris, nous sortirons. Je bondirai de joie, je marcherai en paix. Montagnes et collines éclatent.
chanter déjà et la nature entière et tous les arbres des champs. Battrons, battrons les mains. Pourquoi? Puisque je suis en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comprenez les Écritures. La culpabilité frappe à la porte et on ne veut pas avancer. Mais nous devons avancer. Vous voyez, j'ai retrouvé des choses importantes. Quand j'ai lu ces deux reçus, en fait, j'essaie de méditer et j'ai vu deux dimensions très, très importantes dans ces deux reçus. J'ai retrouvé, en fait, tous deux, les disciples, ils vivaient la culpabilité, tous deux. Mais la première dimension est que il y a la mort. Et la deuxième, c'est la vie. Alors, choisis. Choisis. Deux dimensions devant la culpabilité. Choisis. Tu veux mourir. Eh bien, le diable va t'assommer. Tu veux vivre. Christ tend la main. Viens. J'ai tout porté à la croix. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas. Pendant que l'autre vivait la mort, le premier, Judas, vivait la mort. Le deuxième, lui, il rebondit et il s'épanouit. Alors celui-là va devenir le roi de la foi. Vous le voyez, même il va même jusqu'à la mer quand le Seigneur, Christ est mort. Et puis, oh, il commence à ses apparitions. Où est-ce qu'il retrouve Pierre? Soyez courageux. Oh, ne vous cramponnez pas toujours derrière. Il retrouve encore là, sur la main. Et c'est à lui qui va donner la mission pour l'Église. Soyez courageux. J'arrive. Je vais vite terminer, mais je pense que je serai bon. Bon. Je pense que je serai un peu longue. Je dois terminer ça. Pierre a refusé de céder à la culpabilité. Il a refusé de se laisser enfermer dans son geste de trahison. On s'enferme dans la culpabilité. Jour après jour, on nage et on nourrit ça même. Mais non, déshabiller la culpabilité. Revêtez l'amour du Seigneur en vous. Dites à la culpabilité de partir qu'elle n'a ni part ni héritage avec vous. Pierre a refusé et il s'est ouvert au pardon, tandis que Judas a cédé au remords. Et il a sombré. Il a sombré jusqu'à en mourir. Combien de personnes bien-aimées, que ce soit dans notre assemblée ou dans l'Église universelle, combien de gens sont rongés par la culpabilité des choses du passé ou les choses passées. Ils sont rongés. Ils n'avancent pas. Vous connaissez ma chanson, même si elle est dans la langue du ciel. Vous connaissez cette chanson. Oh, mon ambouyazo la kwenda kalema. Kalema, oui, si kundema. Kalema. Sidi bonso mon nom, Sidi. Moi, je vais avancer. Celui-là, il est collé à moi et ne veut pas me lâcher. C'est qui celui-là? C'est celle-là qu'on appelle la culpabilité. Collez à vous. Je voudrais travailler pour le Seigneur. Où vas-tu? Tu n'as même pas honte. Regarde ce que tu as fait hier. Tu vas te présenter devant Dieu. Tu n'as qu'à rester chez toi. Laisse le saint partir. Qui est saint? Si ce n'est celui qui demande pardon. Qui est saint?
Pourquoi laisser la priorité aux autres? Ne pars pas. Ne va pas. Il t'empêche pour que tu n'entendes pas la parole de la libération. Reste dans ta chambre. Ne va pas. Ça, c'est destiné à. Il n'y a pas l'élite ici. Beaucoup nagent dans la culpabilité. Bien-aimé, les remords, c'est la conscience du mal. On a conscience du mal. C'est ça, les remords. Conscience du mal. Et quoi encore? J'ai trouvé quelque chose encore quand je réfléchissais. Le remords, conscience du mal. Alors, quel est ce mal? En fait, c'est le mal qu'on a fait ou le mal subi. C'est ça la culpabilité. Vous avez subi certains traitements. J'arriverai. Et vous portez des remords. Vous vous nourrissez de ces remords. Et cette conscience-là du mal fait ou subi, elle vous enferme dans ce mal-là. Ça revient toujours. Donc votre conscience vous enferme. Elle ne vous laisse pas libre. Elle vous emprisonne. C'est ce que je venais de chanter et vous colle à la peau. Ça ne fait pas avancer quand la culpabilité est là. Quand elle est présente, on ne sait pas avancer. Alors, je vous ai dit ça dès le début. La culpabilité, c'est le regard toujours tourné vers l'arrière chargé des regrets qui n'arrive pas à se détacher de vous. Oh, vraiment, dans ma jeunesse, si j'avais fait ça, 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 je ne serais pas comme ça aujourd'hui. Si dans notre maison, je m'étais comporté comme ci, comme ci, comme ça. Si à l'école, j'avais fait ça, ça. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Voilà, que de regrets. Et les remords vous rongent. Ça vous ronge. Au lieu de prendre des décisions, au lieu d'aller de l'avant. Hé, l'évangéliste vous a dit l'autre jour, non, c'était vous ici, vous étiez là. Il vous a dit, hé, chers frères et sœurs. J'ai parlé de la voiture et lui, il est venu compléter. Par prise. Est tellement énorme. Pourquoi? C'est plus grand que les rétroviseurs. Mais c'est pour que vous puissiez regarder en avant. Amen, hein? Amen. Vous me suivez? Et qu'aussi la Lilo. Nous allons sortir libérés. Nous serons ici jusqu'à ce que tout y touche. La terre tremble, les hommes s'étranglent, nous serons ici jusqu'à ce que tu touches. Je peux ajouter tout ce que je peux ajouter dans cette chanson, mais est-il que nous ne sortirons pas d'ici avec la culpabilité? Voici l'année de la délivrance. Nous tendons vers la fin de l'année. Et Dieu veut que nous entrons en 2024 libérés de notre culpabilité. Puisqu'en 2024, nous devons servir le Seigneur autrement. Plus de regards en arrière. La culpabilité, c'est les regards mortifères. J'ai cherché ce mot. Parce que je pense que c'était mortifère. On dit non, c'est mortifère. Voilà. Donc qui donne la mort. C'est ça, la culpabilité. Ça cause la mort. Les remords, c'est ce qui remord. Vous m'avez compris? Écrivez ça. Les remords, c'est ce qui mettez les traits au milieu. Mort. Donc, c'est qui continue à mordre. Ah, vous n'avez
n'avait pas accompli. Ah la 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 la. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Je reprends. Le remords, c'est ce qui remord. Donc, ce qui continue à mordre. Chaque jour, ça vous mord. Regarde ce que tu as fait. D'ailleurs, tu n'es pas sainte. Regarde ta vie. Ça vous mord. Pourtant, celui-là a porté la couronne d'épines et a souffert pour vous. Et il a dit, tout est accompli. Il a pris nos péchés. Il a pris nos remords. Il les a portés. Il a dit, c'est fini pour vous. Vous êtes en moi. Vous êtes libre, 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 libre. Alors, que les remords, que ce qui continue à mordre ne soit pas votre partage. Alors maintenant, je voudrais parler. Je vais commencer maintenant la pratique. La pratique, je parlais de Pierre, je parlais de Judas. Vous connaissez bien les chemins de Judas et de Pierre. Maintenant, je vais dans la pratique. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit que parmi nous, parmi les enfants de Dieu, il y a de ceux-là et de celles-là qui ont vécu ou qui ont subi des mauvais traitements dans leur enfance, voire même jusqu'aux abus, que je ne saurais pas citer après. Comprenez-moi. Vous avez subi ça et vous avez honte d'en parler. Quand les gens s'élèvent, vous doutez. Dois-je aller? Dois-je dire ça au pasteur? C'est honteux pour moi. C'est mieux que je les garde pour moi-même. Puisqu'un jour, un homme plus âgé que vous vous a touché. Puisqu'un jour, votre oncle s'est abusé de vous. Puisqu'un jour, un frère a fait ce qu'il fallait faire sur vous. Alors aujourd'hui, Dieu m'a dit, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Vous ouvrirez votre bouche. Vous parlerez à Dieu. Je vais sortir de cette culpabilité. Je n'arrive pas à avancer dans ma foi à cause de ça. Vous étiez enfant et vous avez subi ce genre de traitement. Le Seigneur vous demande aujourd'hui, vous allez vous lever, vous allez parler et ça sera la fin de votre culpabilité. Vous vous cachez toujours. Quand les autres s'avancent, moi je ne peux pas parler. Moi je ne peux pas. Si je dis ça, les gens vont se moquer. Est-ce que ceux qui avancent ici, vous avez déjà entendu quelqu'un réciter? Ça concerne le pasteur et celui qui est devant lui. C'est tout. Et cela est gardé dans des coffres forts. Puisque nous devons prier pour vous. Nous serons ici jusqu'à ce que Dieu touche et libère au nom de Jésus. Fini l'église où les gens viennent pour marquer la présence et ressortir comme on est entré. Avec la culpabilité. Et nous venons chaque dimanche. Et nous retournons avec la même culpabilité. Pendant que la parole est prêchée. Aujourd'hui. Que tes ennemis là. Que ceux qui t'ont abusé. Aujourd'hui l'échec c'est dans leur côté. Dans leur camp. Toi c'est la victoire. Ne me demandez pas qui m'a parlé. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle et vous êtes là. Que vous soyez un garçon ou une fille, vous qui avez subi ce genre de traitement, aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Pas de culpabilité dans la maison de Dieu. Nous sommes ici, nous devons être libres. Libres. Écoutez-moi. Je vous ai dit que cette année, pasteur M.J., prépare-toi déjà à me lire. Suivez s'il vous plaît cette lecture. Je peux même arrêter ma prédication avec cette lecture. Dans Ésaïe 61, le verset 1 à 4. Cette année est votre année de délivrance. Que vous ayez 80 ans, que vous ayez 10 ou 2 ou 30,
60, je ne sais 15 ou 35. Cette année est l'année de délivrance. Nous voulons voir la fraternité. Oh, vraiment que les gens marchent autrement. Dieu vous connaît. Il vous connaît très bien. Pourquoi pensez-vous que Dieu ne voit pas votre peine? S'il a parlé, c'est pour dire qu'il voit votre peine. Aujourd'hui, lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 61. Suivez très bien. Ésaïe 61, 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen, 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 amen. On parle du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ce n'est pas moi, en fait. C'est pour le Seigneur. Mais est-il qu'il nous donne aussi son Esprit pour vous communiquer ces vérités et pour que vous sortiez de ce sombre passé, de la culpabilité. Et lui prend la décision. Hé, hey, écoutez-moi très bien si je peux lire ça encore à haute voix. C'est lui qui est consacré par l'onction. Dit, je vous annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est destinée aux pauvres que vous êtes, vous et moi. Pauvre en esprit, je sais que vous êtes riche. Vous êtes riche, mais pauvre en esprit. Et le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Et il dit, la parole lui dit, il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Votre cœur est brisé par ce qu'on vous a fait, ce que vous avez subi. Une enfance difficile. Les gens se sont donné l'autorisation sur votre corps. Alors Dieu dit ceci, lui va guérir cela. Dieu va restaurer. Je continue. Il va proclamer la liberté. Vous étiez prisonnier ou prisonnière. La liberté maintenant, aujourd'hui. La délivrance aujourd'hui pour ces prisonniers de la culpabilité. On m'a fait ça dans mon enfance. Vous étiez aussi enfant, je vous le dirai. Vous ne connaissiez rien. Vous ne compreniez aussi rien. Mais maintenant, la parole est devant vous. Vous écoutez, vous comprenez la parole. Sortez de la culpabilité de votre enfance. Alors Dieu va proclamer une année de grâce pour vous. Il proclame ça, cette année de grâce. Sortez de votre culpabilité. Un jour de vengeance, Dieu se venge contre ses ennemis. Et c'est toi ce qui touche aux enfants. Quand j'entends tout ce qui se passe, attendez, vous allez voir. Attendez. Je suis en train de prier, Seigneur, ceux qui iront dans des écoles pour aller enseigner n'importe quoi. Seigneur, que ce que les Assyriens ont subi, qu'ils subissent ça, qu'ils soient aveuglés. Et que cela se retourne sur eux-mêmes.
Ne me dites pas, ne priez pas pour le mal des autres. Non! Je suis fâché contre ça. Mes petits-enfants doivent grandir comme nous avons grandi. Ils n'ont pas besoin de vos leçons, des sales leçons qu'ils m'entendent. Ils vont suivre ça sur YouTube. Dès qu'ils avanceront à l'école, là où sont nos enfants, frappez et que leur voiture fasse des tonneaux. Même que la rue qu'ils vont emprunter, qu'ils trouvent des travaux. Et plus jamais ils vont arriver à l'école où sont nos enfants. Je suis en train de prier. Vous allez voir. Qu'ils se réjouissent. Nya, 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 nya. Dieu se venge. À Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Il les connaît. Il les connaît. À Dieu la vengeance. Mais Dieu nous dit, ceux-là qui t'ont fait du mal, ceux qui se sont moqués de toi et de ton corps, à Dieu la vengeance. À lui la vengeance. S'élèvera. Mais toi, quant à toi, prends la décision aujourd'hui. Sors de cette culpabilité. Sers le Seigneur. Engage-toi dans un ministère. Ne reste pas assis pour regarder les saints. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Notre Dieu va consoler tous ceux qui sont dans les deuils. Vous pleurez depuis des années et des années sur ça. Il va vous consoler. Il va mettre aussi les habitants de Sion. Donc nous pouvons nous dire que nous sommes le peuple de Dieu. Alors au lieu de pleurer toujours, il va mettre sur nous, vous savez, cette parure-là. Ah, quelle belle parure quand tu sors. On te voit celui-là ou celle-là. Waouh! Ça, c'est l'enfant de Dieu. Parce que quand tu passes, l'odeur de Christ dégage. C'est ça que Dieu fait quand on se donne au Seigneur. Christ n'est pas mort en vain. Ses mains n'ont pas été percées en vain. C'est pour que tu sois libre. Il va te donner une belle parure. Cette belle parure vient de la parole que vous écoutez. Hey, de l'eau vive couleront de ton sein. Regarde le Saint-Esprit, comment il va te remplir, puisque tu ne vois que Dieu, tu ne comptes que sur Dieu, tu ne parles qu'à Dieu. Belle parure au lieu de la cendre, alors l'huile de joie. Même si les factures sont là, mais ils veulent voler ma joie. Yeah, 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 yeah. Oh là là là, regarde comment je suis devenu en toi, Jésus-Christ. Même si je n'ai pas ce que je dois avoir, même si je ne suis pas dans la politique où on ramasse des millions, même si mon compte est toujours moins 10. Quelle parure, quelle huile de joie qui coule. C'est pas l'argent qui donne la joie, c'est pas l'argent qui donne la paix, c'est pas l'argent qui donne l'amour, c'est Jésus-Christ qui donne l'amour. Je passe. Je dois passer, sinon je vais m'éterniser. Alors, l'huile de joie, pourquoi vous devez perdre votre joie? Je vous ai dit, un jour, ma fille était petite quand il disait, je ne veux pas que quelqu'un vole ma joie. Je dis, ah! Comment tu dis ça? Oui, maman, il y a des gens qui volent la joie. Comment ils vont te voler ça? Je lui ai posé la question. Mais ils vont te dire des choses qui vont te faire mal au cœur et ta joie est partie. Ils ont volé ta joie. Les factures volent notre joie. Les huissiers volent notre joie. T'inquiète, ils viennent frapper. Ne tremblez pas, nous dit la parole de Dieu. Quand ils vont vous accuser, je vous donnerai des mots pour vous défendre. Oh. Pratiquez la parole de Dieu. J'ai eu des huissiers chez moi. Et alors? On t'a dit de payer tout?
Et puis vous prenez tout l'argent, vous donnez. Ne donnez pas votre argent. Pesa bango 20 euros. Vous tremblez, ils volent votre joie. Là où vous devriez... Je vais continuer. Ça arrive souvent même, vous étiez en train d'adorer. Hosanna. Tout d'abord, vous vous retrouvez. Oh, à cette heure où j'adore, c'est à cette heure qu'ils doivent entrer. C'est qui celui-là? On se pose tout d'abord la question. C'est qui? On ouvre. Oui, c'est des justices. Un jour, je leur ai dit, entrez. Si c'est à vous, prenez et sortez. Dès que vous allez sortir, vous allez voir, le feu va vous suivre derrière. Prenez. Prenez. Prenez ça, prenez. Et dites-nous, qu'avons-nous fait? Dites-nous. Les malfrats et tous ceux-là qui vous font du mal ici, vous les laissez. Mais quand vous voyez un enfant de Dieu, puisque nous brillons, pendant que tu veux adorer, huissier de justice, monsieur, asseyez-vous, comptez ce qu'il y a ici et prenez ce que vous voulez. Allez, partez avec ça. Ils ne vont rien toucher. Puisque la parole qui sort de nous est remplie de puissance de l'Esprit Saint, ils vont commencer à avoir peur. Hein? Oui, monsieur, nous pouvons nous entendre, mais vous êtes venu avec la décision de prendre tout. Vous tremblez. Pourquoi vous tremblez? C'est des enfants de Dieu ou du diable. J'avance. Les remords. Je suis parti vraiment avec ça. Je voulais que vous entendiez ça. Dieu veut remplacer le deuil par la joie. Hein? Il va vous revêtir d'un costume de louange. Et vous voulez manquer à ça? Vous les manquez à ça à cause de la culpabilité. Lui prend la décision de vous revêtir des costumes de louange. Oh. Aïe, 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 aïe. Quand on loue, quand on célèbre le Seigneur, pas ici, chez soi, dans ces lieux cachés, quand on loue Dieu, un à un, il commence à partir. Ils sortent, ils partent. Même si tu étais une Samaritaine, vous connaissez bien la Samaritaine. L'Éternel va faire de toi une plantation destinée à manifester sa splendeur. Mamamounou, quand j'ai lu ça, je me suis arrêté. Je suis une plantation de l'Éternel. Alors dans la plantation de l'Éternel, sachez ce qu'il y a dans la plantation de l'Éternel. Pas de culpabilité. Il y a des jolies roses, il y a des jolies fleurs. Il y a quoi encore? Rhubarbe, je n'aime pas. Il y a le sucre de canne. Il y a un Congolais qui a fait la pub. Sucre de canne. Vous savez ce qu'il a dit? Bon, je laisse. Ennemi du diabète. C'est comme ça, puisque il est très pur. Sucre de canne. Il ne pique pas. Il est bon. Bonne odeur. Alors, vous, vous êtes une plantation de l'Éternel. Regardez toutes ces fleurs. Et il y a aussi l'olivier. Il y a le figuier. Il y a tous ces arbres là. Et il y a les palmiers aussi au milieu. Connaissez la définition du palmier. C'est planté. Vous, vous êtes ces jardins. Vous êtes cette plantation. Alors pourquoi demeurer? Quand Dieu dit, je ferai de toi cette plantation, demeurer dans la culpabilité. Ce n'est pas par votre propre force que vous deviendrez une plantation de Dieu. Dieu va s'aimer en vous l'amour. Dieu va s'aimer en vous la paix. Dieu va s'aimer en vous, je vous parle vraiment, de la fidélité, la joie. Tout ce que l'ennemi a sémé va sortir. Puisque quand Dieu sème, ce qui est de l'ennemi part. Et quand les gens vous regardent, waouh! Là où peut-être les diables voient une fleur fanée, mais les gens voient une belle fleur rose. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu. Et je passe.
Je vous parle à vous de quitter cet état où vous vous condamnez. Dans mon enfance, on m'a fait ça. Vous êtes une terrible de justice, justifiée par la foi en Christ. Soyez dans la joie. Ne vous sentez pas sale. Le sang de Jésus-Christ est passé en vous. Et a nettoyé tout ce qu'il y avait de sainteté. Sortez de votre culpabilité. Sortez de là. Vous pouvez lire 1 Jean 3, 20. Parce que MJ, tu peux leur lire ça, les autres là. Jérémie 33, 8, vous pouvez lire ça. Vous culpabilisez, vous vous accusez vous-même. Je vais revenir encore sur ça, mais écoutez ce que dit ce verset. 1 Jean 3, 20. Jean chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Amen. Même si notre cœur nous condamne, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as agi comme ça? Mais Dieu est plus grand que notre cœur puisqu'il est rempli d'amour et c'est lui qui te parle aujourd'hui. Il fera de toi une plantation pour manifester sa splendeur. Pourquoi veux-tu demeurer dans la culpabilité? Nous avons déjà lu Ésaïe 61. Alors je passe. Il y en a d'autres encore dans notre assemblée. Ces gens-là qui sont là, qui culpabilisent, puisqu'ils ont connu des échecs constamment dans leur vie. Ils culpabilisent puisqu'ils n'ont pas fait de bonnes études. Ils n'ont pas un travail fixe. Ah, si j'avais étudié comme l'autre, peut-être que j'aurais. Peut-être que j'essaierais. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Chers frères et sœurs, beaucoup de riches n'ont pas de grands diplômes. Beaucoup de riches n'ont pas de grands diplômes. Je ne vous dis pas de ne pas aller étudier. Non. Beaucoup de riches n'ont pas de gros diplômes. Hein? Mais vous devez étudier, puisque le monde avance. Ça change. Mais Dieu a mis en nous du potentiel. Avant que je n'arrive là, si vous ne me croyez pas, lisez la parole de Dieu, que ce n'est pas à cause des diplômes que cet homme que je chéris tant, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, et je vais le citer encore, Bet-Saleel. Si je mens, pasteur M.G., tu vas leur lire ça pour qu'ils disent que je ne mens pas. Cherchez-moi dans la Bible l'école de Bet-Saleel et de Holyab et trouvez-moi où ils étaient couronnés avec le gros diplôme. Lisez cela. Exode chapitre 31, les versets 1 à 4. Bet-Saleel et Holyab. Dieu a mis en eux. Écoute, et retenez très bien, je ne vous dis pas de ne pas aller étudier, il faut étudier. Mais, en tout cas, les pages sont très fines, désolé. Mmh. Voilà, merci. Voilà. 31, 1 à 4. 1 à 4, selon. Exode 31, 1 à 4, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bet-Saleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui parle et qui dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Bet-Saleel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Continuons. « Rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » C'est Dieu qui remplit de l'intelligence, de sagesse
ouvrage. Dieu, continuons. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. Oui. Voilà, si vous pouvez continuer, puisque j'avais dit sinon ça sera très long, et on va me dire j'ai prêché pendant 4 heures. En fait, il a rempli d'intelligence pour créer un Dieu. Qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Dieu accorde de la valeur à tous les talents de ses enfants. Ne sois pas là en train de culpabiliser. Je n'ai pas fait des hautes études. C'est pour cela que ma vie est comme ça. Va faire ce qu'il faut faire. Travaille et Dieu bénira. Accroche-toi à l'Éternel qui donne l'intelligence et la sagesse, qui donne cette capacité de créer, d'inventer. Accroche-toi à Dieu et tu vas créer encore beaucoup de choses. Ce n'est pas les diplômes qui créent. C'est Dieu qui met l'intelligence pour que tu puisses créer. Cherche l'Éternel. Sors de ta culpabilité. Change ce mode de vie. Je vais interdire les jeunes d'aller au CPS. Laissez ça à nous. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais je ne veux pas que vous partiez là. Pourquoi? Parce que vous deviendrez paresseux. Bézalel travaillait. Oholiab travaillait. Dieu les a dotés d'une intelligence même supérieure, je dirais. Même à composer les couleurs. Le bleu avec le jaune, et ça donne ça. Le rouge avec le blanc, et ça donne ceci. Le noir avec ceci. Et on a trouvé cet un dans le temple. C'était pour construire les temples. Tout ce que vous appelez les rideaux, les tentures. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Dieu t'a doué d'une intelligence. Je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Mais toujours tu regardes le diplôme de celui qui travaille chez ING. Si je pouvais travailler chez ING, tout le monde ne doit pas être chez ING. Tout le monde ne doit pas être pharmacien. Tout le monde ne doit pas être informaticien. Tout le monde ne doit pas être mécanicien. Tout le monde ne doit pas être médecin. Tout le monde ne doit pas être infirmier. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Sortez de votre culpabilité. Sortez de là. Sortez. Je suis vraiment fâché contre le diable qui vous retient captif. Sortez de là. Vous pensez que tout le monde doit être infirmier? Vous pensez que tout le monde doit être enseignant? Nous avons besoin de plombiers. L'hiver va commencer. Et nous allons payer beaucoup d'argent à cause de vous. Non, ça c'est un travail qui ne paye pas. Hé, il vous dépasse en argent. Chaque jour, il récolte même 2000 euros. Pendant que vous attendez ça à la fin du mois. Voilà, il y a des sibinos. Ils ont beaucoup d'argent. Chauffagiste. On appelle Bouba ici. Oui, il me faudrait 350. Maman, mon que ça. 150 ici, 400 là-bas. Calculez en un jour. Nous avons besoin de maçons. On en a besoin. Tout le monde veut être informaticien. Informaticien. Et puis quand vous allez là-bas, on vous dit quota terminé. Je voulais faire l'informatique, mais on dit que c'est rempli. Et c'est rempli, non? C'est Bandakala. C'est depuis longtemps. Longtemps. Que les informaticiens, la médecine. Et vous tournez là. Je ne peux pas. Moi, ma vie, c'est plus ce que j'ai fait. J'ai fait des mauvais choix. Non! Ne tourne pas dans la culpabilité. Tourne-toi vers Dieu qui donne l'intelligence. Dites-lui, Seigneur, oriente-moi. Sors de ta culpabilité. Toi qui es là, qui n'as pas de travail. Comme Dieu a fait don à l'Église en donnant des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Les dons par l'Esprit, les parler en langue. Les dons des libéralités, tous ces dons. Comme Dieu a fait ça à l'Église, a donné, fait ces dons à l'Église. Alors, l'habileté et la créativité font partie aussi des dons spirituels. Vous n'allez pas me calculer ici, là,
la créativité. Qui peut me démontrer ça? C'est dedans. Voilà, c'est spirituel. La créativité, l'habileté. Comment vous allez me démontrer ça? J'ai une mauvaise vie, puisque à cause des mauvaises études. Est-ce qu'il y a des mauvaises études? Va faire la formation même de 6 mois. 6 mois seulement. Et vous aurez l'argent. Vous n'allez pas nager dans la culpabilité. Sortez de là. Sortez de là. Tout le monde ne doit pas être policier. C'est l'année de la délivrance. Je vais terminer. Vous qui culpabilisez aussi, puisque vous avez connu un échec dans vos relations. Oui, j'étais avec tel garçon, il est parti. Alors depuis là, ma vie est tombée dans l'eau. Oh, ta vie tombée dans l'eau, puisque le garçon est parti, il est le seul au monde. Voilà comment vous agissez. Comme s'il était le seul homme au monde. Pourquoi ne pas prier, Seigneur, envoie-moi un homme. Et mes sœurs, je veux vous dire aussi une chose. Entre nous les hommes, vous fermez les oreilles et les yeux. Ce n'est pas l'homme qui apporte le bonheur. Le bonheur est en Christ. Le bonheur est en Christ. Vous pleurez toujours. Si j'avais un homme, je ferais ceci. Si j'avais un homme, et Dieu t'a doté des capacités pour que toi tu travailles, pour que tu inventes, et tu pleures toujours un homme. Moi. Le bonheur dépend de Christ, pas même de l'argent. Parce que l'homme est là, c'est tout, tu es bien. Monsieur le pasteur, quand tu pars, comment tu me retrouves au retour? Dis-le-moi, je suis bien. Mais c'est pas parce qu'il est parti. C'est le pasteur qui fait ça. Quand il n'est pas là, je n'arrive pas à faire ça. L'homme. Depuis qu'il est parti, ma vie est cassée. Depuis qu'il est parti, je n'arrive pas à surgir. Surgir où? Parle à Dieu. Détache-moi de ces chaînes. Celui-là qui est passé ici m'a lié. L'air boit de lui. Je vais avancer. Échec dans les relations. Toujours la culpabilité. J'ai toujours peur. Si je trouve un homme, je pense que ça n'irait pas. C'est que la bouche confesse. C'est ce qui se passe. Peut-être que je vivrai ça. Et vous vivrez ça. Un monsieur qui vient. Un troisième qui vient. Un deuxième. Et puisque vous avez confessé. Vous voyez comment vous vous liez vous-même. Et ça devient cette église. On prie pour moi. Non. Papa Frank, c'est là dans notre binôme mort. Quand il nous appelle là, nous avons délivrance. Et il nous impose. Tout le monde gêne. Et puis nous, nous gênons. Nous venons prier pour vous. Et puis vous, vous rentrez encore dans la culpabilité. Ça ressemble à la souci. Non, il faut quitter. On ne peut pas toujours revenir sur ça. Quand nous avons prié, ayez la foi que le Seigneur m'a libéré. Comment me voient les jeunes filles? Oui, dans ma famille, on m'a mis les masques. Eh, quel masque? Et Dieu fait quoi? Il a dit qu'il va te donner de l'huile qui va couler. L'huile de joie. Il nettoie les masques là. Je ne sais pas quel masque. Dieu va te rendre aussi beau. Et quand tu viendras, tout en connaissant le Seigneur, à vous aussi. Maintenant, les femmes, vous fermez les oreilles et les yeux. Et je parle aux messieurs. Quand vous venez là-bas pour mentir, moi vraiment je t'aime. Tu sais dans ton cœur que tu n'aimes pas cette fille. Et tu lui fais passer le temps. La servante est poumonée, nous allons nous rencontrer à tel endroit. Elle court. Vous allez vous rencontrer là-bas. Que pour lui raconter n'importe quoi, sauf rien. Et puis la sœur a plus de 50 ans à cause de vous, menteurs. Moi, je passe.
Confiez-vous à l'Éternel. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Et non pas un monsieur. Les relations cassées, c'est Dieu qui répare. Si vous avez vraiment un problème, vous traînez une culpabilité, puisque vous n'avez pas pardonné à quelqu'un qui est mort, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez demander pardon à qui? Assemblée. Quelqu'un est mort, vous aviez un différend contre lui. Demandez pardon à qui? À Dieu. Demandez pardon à Dieu au lieu de culpabiliser. Ma grand-mère est partie, on ne s'entendait pas. Eh bien, il fallait vous entendre. Puisque vous entendez la parole, quand quelqu'un a quelque chose contre vous, qu'est-ce que vous faites? Allez! Et vous avez laissé cette parole de côté. Et la grand-mère est décédée. Et vous portez la culpabilité. Je pense que si vous vous retrouvez dans ça, Dieu dit, si moi je ne reviendrai pas, ne pensez pas aux choses passées. Je vais tracer un chemin nouveau. C'est ce qu'il vous dit. Et des sources couleront là où il y a la culpabilité. Vous ne vous pardonnez pas à cause de la culpabilité. Vous ne savez pas vous pardonner. Pendant que Christ vous a pardonné, vous ne vous pardonnez pas puisque vous avez... Bon, oui, je vais le dire. Puisque vous avez mené une vie de dérèglement. Nous prions contre ça. Mais vous êtes toujours dedans. Le calme est toujours là. Votre épaule pour vous souffléter. Je vais terminer. Nous traînons des fois la culpabilité puisque nous ne voulons pas nous pardonner nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous pardonner. Christ m'a pardonné. Pourquoi tu te pardonnes toi-même? Oui, j'étais sans Christ. Maintenant que je connais le Seigneur, le passé est passé. Mais vous traînez encore ce passé et vous culpabilisez encore. C'est vous-même. Vous ne voulez pas vous pardonner. Alors, chers frères et sœurs, je vais conclure en vous disant ceci. Retenez très bien. Retenez ça. Dieu n'est nullement pas intéressé par les rappels de votre passé. Ça ne l'intéresse pas. Tu as fait ci, tu as fait ça. Non, il n'est pas intéressé. C'est qu'il veut que vous puissiez avoir confiance en lui. Que vous viviez comme lui le veut. Ça, c'est Dieu. Mais par contre, notre ennemi, écoutez ce qu'il fait lui. Quand Dieu ne veut pas vous rappeler votre passé, mais Satan, lui, il s'acharne à vous le rappeler. Et s'il le fait, c'est puisqu'il n'a rien de neuf pour vous attaquer. Il n'y a rien de neuf pour vous attaquer, alors il vous rappelle le passé. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous le dire. Je voudrais lire ce que j'ai écrit pour que je ne saute pas dans ma tête. Ce qu'il fera, c'est de ressusciter les vieux souvenirs. Et encore quoi? Et de raviver les vieilles images de votre vie passée pour tenter de vous décourager. Voilà les images, tu étais passé par là. D'ailleurs, ces jours-là, d'ailleurs, tu le sais très bien ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Il te fait passer toutes ces images. Pendant que tu es en Christ, hein, de passer, à l'époque il y avait GB, que vous appelez Carrefour maintenant. Tu es passé au GB, ni vu ni connu. Et je ne sais pas comment on enlève les étiquettes là pour que ça ne sonne pas. Toi tu es parti, tiens. Et cette image te revient. J'ai volé un jour. J'ai mis dans ma poche. Regarde, tu t'es dit chrétienne. Et ce jour-là, tu as volé. Pourtant, tu as déjà confessé. Tu as déjà confessé ça. Seigneur, j'ai volé. Parce que j'avais faim, je sortais de l'école. Mais tu as 40 ans aujourd'hui. Tu te rappelles ça? C'est pour te cribler. Pour que tu ne sois pas content. Pour que tu ne sois pas encouragé par la parole de Dieu. Regarde ce que tu as fait. Ça, c'est le diable. Dieu ne s'intéresse pas à ton passé. Lui voudrait voir comment tu avances avec lui au présent. Le présent. Et comment tu prépares ton avenir. C'est ça le problème de Dieu. Le diable veut vous tenter. Il veut vous empêcher d'atteindre le but de votre destin. S'il vous laisse comme ça, vous serez un grand homme. Vous serez une grande dame.
Alors ça bouillonne toujours. Les vieux souvenirs, les vieilles images. D'ailleurs, ce jour-là, tu t'étais même querellé avec elle. Vous vous êtes échangé les mots. Regarde. Tu penses que Dieu t'a pardonné? Dis alors, arrière de moi, hein, Satan, j'appartiens à Jésus. C'est tout. La confession de votre bouche. Je vais terminer. Parce que Simeon, je vais terminer, pardon. Je vous ai dit aujourd'hui, il faut que je termine. Alors, c'est pour cela que nous voyons, à cause de ça, nous voyons que les gens mènent une vie d'accordéon. Voyez l'accordéon. Ça, c'est l'accordéon. Alors, nous menons une telle vie. Pourquoi? Puisque quand ça va bien. Oh, le Seigneur, notre Seigneur. Alors, nous avons la louange à l'église. Comment vous avez chanté dimanche passé? Là, ça va. Ça va, ces jours-là, ça va. Aïe, aïe, aïe. Mais quand ça va chauffer, c'est là où l'accordéon baisse. Oui. Ça, c'est le fait. On ne vous sent pas dans l'église. Absent. Vous êtes là, mais absent. Mais quand on marche bien, arrêtons de mener une vie d'accordéon. Soyons stables avec le Seigneur. Il nous fait stables. Nous sommes ses enfants. Sortez de la dépression. Sortez de la culpabilité. Sortez du passé. En arrière. Nous allons regarder en avant. Cette vie qui t'accuse dit ça. Vous avez déjà entendu l'histoire de quelqu'un à qui on disait, mais c'est toi. C'est toi qu'on appelait. Ben, je vais parler à ma maman. C'est toi, je vais donner un nom qu'il n'y a pas dans l'église. Joséphine, c'est toi, Joséphine. Vraiment, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est vraiment toi. Oui, c'est moi. Pourquoi on pose la question, c'est vraiment toi? C'est puisqu'on voit la gloire de Dieu dans sa vie. Celle qui était, je ne sais comment, quelle vie elle menait dans le temps passé. Mais maintenant, le Seigneur l'a lavé. On trouve une autre personne. Vraiment, c'est toi? Et la joie de Dieu rayonne. Il faut que les gens se posent cette question. Changez, vous aussi qui n'aimez pas dire bonjour. Toujours. On doit venir chercher les bonjours. Changez, sortez de la culpabilité. Parlez aux autres. Moi, je ne parle pas à tel. Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi? La culpabilité va te tuer comme Judas. Que votre coq chante. Que votre coq chante. Réveillez-vous. Fraternité, réveillez-vous. La vraie bataille concerne votre avenir. Peu importe votre passé. Luttez pour votre avenir. Avec Christ. Pas seul, mais avec Christ. Il s'est donné pour vous. Levez-vous. Levez-vous et combattez. Que tout ce qui vous fait asseoir pour ne pas vous... Il y a des gens qui sont dans cette assemblée qui n'ont pas de ministère. Soyez libérés. Vraiment, je voudrais voir des gens entrer dans tel ou tel ministère. C'est puisque vous avez honte, vous portez encore votre passé. Vous redoutez quelque chose. Dieu veut vous libérer aujourd'hui. Alors vous fermez les yeux. Pendant que je vais appeler les gens, nous fermons nos yeux, nous courbons nos têtes. Si vous vous retrouvez dans ces cas, votre passé d'enfance, on a abusé de vous, vous allez vous lever là où vous êtes. Si vous pensez que vous n'avez pas fait des bonnes études, vous culpabilisez toujours. C'est pour cela que votre vie ne change pas. Levez-vous de là où vous êtes. Si vous avez connu des échecs dans vos relations, levez-vous de là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Je veux que les gens soient libres. Nous ne regardons personne. C'est le Seigneur qui libère. Le Seigneur qui libère.
Je sais que vous pouvez avoir honte. Si je me lève, on va croire que c'est moi qui ai fait ceci. Merci beaucoup, frère. Merci de t'être baissé. Nous avons besoin des gens qui doivent se libérer. Soyez libres. Libres. Que l'ennemi ne vous attache plus. Pas de culpabilité. La vie que vous avez menée dans le temps passé, une vie de dérèglement, le Seigneur vous appelle aujourd'hui, il veut vous libérer. Il veut vous libérer, vous êtes en train de lutter avec vous-même. Ne ressortez pas comme vous êtes entré. Soyez libre aujourd'hui, libre. Ne regardez personne. Personne ne va vous juger. Je vous laisse encore quelques minutes. Et puis nous allons prier. Je ne vais pas prier pour des gens qui ne se sont pas levés. Moi, je vais prier pour les gens qui se sont levés, qui voient leur passé. Merci beaucoup, frères et sœurs. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Ce n'est pas moi qui vous délivre. C'est Dieu qui va vous délivrer de votre passé. Tout ce que vous avez subi, vécu. Toute la culpabilité. C'est puisque je ne suis pas ceci, c'est pour cela que je vis ainsi. Nous allons prier pour vous, les courageux. Dis Seigneur, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, ne regardez personne. Ne regardez personne. Tournez-vous vers le Seigneur en avant. La croix de Christ est devant. On n'a jamais mis la croix de Christ derrière. Regardez la croix de Christ, soyez libérés. Merci beaucoup. Merci, je vais demander, pasteur, d'avancer pour prier pour ses frères et sœurs. Je vais vous demander d'avancer, les têtes baissées. Nous prions pour ceux qui se sont levés. Baissez votre tête si vous n'êtes pas levé. Nous allons prier et j'appelle le groupe des louanges. Messager, vous allez nous interpréter ces chants. J'abandonne tout à toi. Il est en anglais et en français. Nous allons tout abandonner à Dieu. Vous qui êtes debout, n'ayez pas honte. Dites-vous aujourd'hui, c'est fini ma prison, ma culpabilité. Je vais vivre. Je vais vivre. Vous pouvez avancer. Vous qui êtes debout, avancez, avancez. Sortez de votre chaise, venez ici. Les têtes baissées. Vous autres, vous priez. Nous allons prier pour ceux-là. Vous autres, vous avez les têtes baissées. Continuez, continuez la prière. Groupe de louanges, vous entendez la chanson. Nous allons tout abandonner à Dieu. C'est lui qui libère.
que nous pouvons acclamer ce Dieu, ce grand Dieu, ce grand Dieu qui vient de nous guérir de la culpabilité. La culpabilité n'est plus dans nos vies, alléluia. Par sa parole, il nous a guéri la culpabilité. C'est fini avec toi. Alors, la culpabilité, bye bye. La culpabilité, bye bye, bye bye, bye bye. Au revoir, la culpabilité. La culpabilité, bye bye. Dis-lui, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Elle dit, je suis une nouvelle créature. Elle dit, je suis une nouvelle créature. Il y a Elio, je suis une nouvelle créature. Alléluia. La culpabilité s'est finie. Car il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Il envoya sa parole. Et sa parole. Alléluia. Yeshua. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'appartenir à ce Dieu merveilleux. Qu'avons-nous mérité? Ni était la croix, toi et moi, nous ne serons pas là. Ni était la croix. On a craché sur lui à cause de toi et moi. Oh, Dieu dit, je ne me souviendrai plus jamais de vos péchés. Vous pouvez imaginer un grand Dieu, celui qui a parlé. Et les montagnes existent, les mers existent. Il dit, je ne me souviendrai plus de votre passé. Avançons, servons l'Éternel avec joie. Servons l'Éternel avec joie. Quand nous reviendrons dans sa maison, alors la joie sera là. La culpabilité ne sera plus jamais, ne régnera plus jamais dans nos cœurs. Et nous servirons l'Éternel avec liberté. Alléluia. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu?
Seigneur, les élus voient réellement que tu es présent. Les élus voient réellement que tu es présent. Merci pour ta vie que tu déverses dans ce corps mortel, dans la vie de ta servante. Merci, Papa, parce que tu nous as donné, un instrument de valeur dans cette maison. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce, Alors qu'elle est éprouvée, mais elle a ouvert son cœur pour recevoir de toi, et tu as donné, et nous avons mangé. Seigneur, en retour, nous te prions de fortifier ta servante. Renouvelle sa force. Renouvelle sa force physique et spirituelle. Dans cet état, Seigneur, ceux qui se sont présentés comme les autres aussi, Seigneur, merci, pour cette nouvelle dimension, merci pour cette nouvelle saison dans ton église, Seigneur. Tu veux nous amener loin, très loin, Seigneur, puisque c'est ton œuvre, Seigneur. Tu vas encore glorifier ton nom, Seigneur, au milieu de nous maintenant, Seigneur. Peuple a les mains levées sur ta servante et nous prions, Seigneur, pour elle. Nous prions, Seigneur, que tu la fortifies et ce qu'elle a fait sortir, puisque cela vient de toi, que tu lui rajoutes encore d'autres messages pour ta gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour toi et nous voulons bénir ton nom. Merci pour l'église que tu nous as donnée. Merci pour tes enfants que toi-même tu as libéré aujourd'hui. Merci notre Dieu. Sois élevé à jamais. Et nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous pouvons répondre. Donc nous restons debout parce que nous allons servir le Seigneur maintenant avec nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire. Toi seul qui en es digne, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci d'agréer toutes ces offrandes, Seigneur, qui vont être apportées. Merci, Seigneur, de bénir toutes ces mains qui vont te donner. Merci de bénir toutes ces familles, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton peuple, Seigneur, même ceux qui n'ont pas, Seigneur, même ceux qui ne peuvent pas t'apporter en ce jour. Bénis, Seigneur, afin que nous puissions continuer, Seigneur, à obéir à ta parole et à apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre et à l'avancement de ton royaume. Bénis ton Église au travers de ces offrandes et que les greniers de ton Église ne manquent de rien au nom de Jésus-Christ et que tout soit pour ta gloire. Amen. Amen. Oh yes.
grandes choses.